Franklin, un gros président de la République qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas contrôlé rien, qui n'a pas présidé rien, qui n'a pas gouverné. Donc, bon, il est capable de faire mal, il est capable de tuer, il est capable de lâcher, ça a pour le faire, il a pour le défendre pour aller. Donc, on va mettre toute qualité gang, toute qualité monde, toute qualité et corps, toute qualité sbire, donc pour le tuer, pour le lâcher. Mais il y a un fait, un président, un gouvernement qui va contrôler rien, qui va contrôler le pays, parce qu'il y a entre nous. Même la primature de déplacer lui. Donc on comprend. Donc c'est ça nous-mêmes, notre bataille pour nous capables de changer le système, notre bataille pour nous voyer le président lui-même. Tout le secteur général est allé, il n'est pas capable, il va accepter encore. Il n'est pas capable de dialoguer avec elle parce que son menteur, il n'est pas faire confiance. Bon, malheureusement, après deux mois et quelques jours, ouais, que mobilisation m'a pas dit que lui cassé, mais en pile effort, lui pas tant de personnes, même l'international, excepté les États-Unis, qui ont même cap soutenu, population, hein, les secteurs en général, ils ont pas d'accord avec le président, ils ont dit que pas tant de mecs qu'il était au pouvoir. Donc, ils ont levé, ils ont fait manifestation, ils ont fait toutes sortes qu'on est possible et imaginable, jusqu'à présent que le président a refusé d'aller. Donc, comme la bataille est permanente, donc, on a continué la bataille jusqu'à ce que les poules allaient à boule aller. Mais, le président de la République, on constate le pas gouverner le pays, hein, peut-être gouverner le seulement pour le faire corruption, pour le volant, pour lui tuer le monde. C'est ça seulement capable de faire un pays, hein, président. C'est sauté la caille, aller dans la caille. À part ça, bah, quoi que président, sur le plan géographique, il est capable de faire aucun déplacement et ne pas qu'à gouverner le pays. Même dans l'Ouest, là, on n'a pas dit que la dirigé le département de l'Ouest. Donc, voir pour le pays. Mais quand même, c'est un constat, il est encore là, la bataille continue. L'institution publique qui en bas capé levé, cap pral loger l'autre côté sénateur Sorel Jacinthe, ça t'a qu'à dire mon population qui ça qu'a mettre dans tête lui, qui ça qu'a comprendre, qui ça signale ça veut dire lui. Bon, son aberration, c'est un signe que ce soit le président et la primature, il n'y a pas prenez rien, son pays qui pas aucun gouvernail. Donc, c'est ça le dit, mais le président, il est têtu, il ne comprend rien. Population, malgré que c'est pour lui la diriger, il dit que lui-même, il n'est pas d'accord que le diriger lui. La primature, le gouvernement, pas une personne qui a dirigé pays ça. Donc, c'est un constat. Population fait constat, ils nous comprennent. Mais la réalité est telle, il est encore là, en fait. Kounia, bam gade, qui sa réalité après lié, là n'apprête tout tombé dans la question, premier lundi janvier 2020, sénateur Sorel, parce que je vous dis à la nous déjà de décembre, dans quelques jours, c'est pral fin. Année 2019, je vais entrer dans la nouvelle année. Nous connaissons quand même, mais pour question parlement, chambre député a complètement pralé. Qui sa scénario pas sénat après lié lui-même? Bon, Guéantier dans le Sénat qui va aller, chambre députée a complètement deuxième lundi du mois de janvier, donc c'est pas un parlement. Bon, nous pas quand même parler d'élection. Deuxième lundi, c'est un deuxième on tire va aller, on tire à rentrer, on législature va aller 51e législature à rentrer, mais nous n'avons que pas aucune préparation, donc nous en crise, tous nous en crise déjà. Mais sur le plan constitutionnel, donc, nous en crise, et quelque part, comme on a toujours dit, je vous dis à Jovenel Babralet, pas aller, mais nous irons au moment, faut, deuxième lundi du mois de janvier, donc faut pas gagner élection, Donc nous devons, en fait, faut que nous bagaille qui dit à Nation, donc nous-mêmes, l'opposition institutionnelle et l'alternative, donc c'est la mobilisation totale capitale pour nous arriver à changement de système que n'a pas l'air. Bon, écoutez, qui est
bouchon système là qui kembe li c'est Jovenel. Donc nous-mêmes c'est bataille ça n'a pas fait pour nous entre les Haïtiens, toutes partis politiques, tout secteur, et comment on a rentré nous-mêmes nous proposer déjà, nous dit faut Jovenel aller n'a remplacé le par un juge de la Cour de cassation ou un premier ministre qui a sorti dans le secteur politique là. Et on fait de route claire qui pour entrer dans le système là et pour entrer avec une conférence nationale et là encore avoir une nouvelle constitution que lui-même proposition d'amendement ou elle pas même qu'à présenter devant le Parlement et maintenant rentrer dans élection. Donc ceci est nos deals de la prenons entre 2 ans et 3 ans pour nous rentrer dans un provisoire de rupture, un gouvernement provisoire pour nous qu'on est comment on appelle ensemble pour changer le système là. Mais nous faisons proposition à nous sortir avec un accord, l'accord de Mayotte que nous avons implémenté, qu'on n'y a pas implémenté, mais n'a pas fignolé, faire de route là pour en clair pour nous connaître le deuxième lundi du mois de janvier qui s'appelle faire payer. Mais quelque part, monde qui aime le système là, qui a pu craser le pays à l'hiver des journées, tout autant que nous n'y pas aller, ou pas capable de commencer, mais nous-mêmes, l'opposition, nous prêts, nous parler, nous croyons que entente sur le plan, avec tout secteur d'un pays, les partis politiques, l'opposition plurielle, donc le fait déjà est de montrer la nation hein, au monde en général. Donc, c'est un matin de la population qui continue avec mobilisation pour arriver à ce départ, pour rentrer après le deuxième lundi du mois de janvier avec ce changement que nous toutes nous demandons. Bon, regardez avant nous, la sénateur Sorel, et nous toutes reconnaissons Chambre des députés Pralé, mandat au bout de 4 ans. Pour le Sénat de la République, il y a des gens qui parlent de 1/3, mais qui parlent de 2/3. Logiquement, qui ça a le Sénat lui-même? Bon, une constitution est claire, les tours chaque 2 ans, mais l'essentiel, l'élection qui se passait, c'était pour 2/3 que nous devons faire, 1/4 ans, 1/6 ans. Donc moi-même qui était rentré pour 4 ans, bien que nous avions 1 an, parce qu'il y avait 3 départements, le Nord, le Centre et la Grand-Anse qui était un problème dans l'élection, tout perdu 1 an, mais quand même, de fait, c'est 4 ans. Donc, nous supposons aller deuxième année du mois de janvier 2020. Est-ce que, bon, gampé le monde qui a parlé, est-ce que, bon, l'autre considération y a fait? Donc, on ne sait pas. Mais nous-mêmes qui dans l'opposition, les sénateurs de l'opposition institutionnelle, nous pas, c'est là ça, automatiquement, Jovenel aller, pour nous-mêmes, l'écraser, parce que nous pas, ouais, qui ça l'a fait. Et si on a parlé de changement de système, c'est pas seulement l'exécutif, c'est aussi le pouvoir législatif, donc pour nous, c'est mal. Donc, question, 1/3, 2/3, donc c'est pas notre problème, parce que son Sénat qui va fonctionner, son Sénat que nous-mêmes, si nous voulons entrer dans changement de système, là, après que Bouchon a finalé, donc là, nous d'accord avec nous, pour servir avec. Mais en attendant, nous sommes sur le cas de président ou démission président de la République, là, nous connaissons quand même gagner les batailles capennes, au fait, la bataille, opposition à Goumen, mais défaite président de la République, tout, il a fait résistance par rapport avec côté de l'aller. Ça veut dire logiquement, sénateur Sorel, deuxième lundi, on parle de gagner chambre de députés pour aller avec un tiers sénat, pour aller avec 20 sénateurs. Bon, que c'est 1/3, que c'est 2/3, donc, non, besoin d'un aspect légal là qu'on a. Besoin de garder. Est-ce que c'est 2/3 ou est-ce que c'est 1/3? On a parlé sur le plan légal, bien que nous-mêmes, nous considérons que le Sénat est déjà caduque. Mais si on a parlé de l'aspect légal sur le plan constitutionnel, sur le plan légal, donc c'est 1/3. Donc, on est capable, quelle que soit l'autre décision qu'il prend, son décision politique. Ok. Donc, bah, c'est sous d'amour et de tir à l'aller depuis 2 ans avant. Faut d'amour et premier tir à l'aller et puis qu'on y a d'amour et deuxième tir là. Donc, on y a dit au cobalou et tous les 2 tirs à l'aller. Donc, c'est une décision purement politique. Ça, pour nous-mêmes, suivant constant, que l'on dit, Jovenel à l'aller, le Parlement lui-même l'avait tout. C'est quand même des décisions
Pour n'a pas manqué dans quatre batailles, n'a pas mené, c'est d'accord, sur elle, et n'a tête, nous, vrai, probablement, nous t'ai gagné l'impression que le président a pris dans la partie, parce que là, nous, dans le mois de décembre, au fait, nous, c'est l'ambassade américaine qui est le président de la République encore au pouvoir. Kounia, qui ça, n'est capable de dire, puisqu'il nous continue à bataille, nous, quoi, que le président faut qu'il y aille quand même, et qui sa nouvelle alternative oui, pour capable aboutir avec départ ou démission président de la République? Bon, c'est une bataille. La bataille pour changer ce système, c'est une bataille permanente. Donc, pour arriver à faire ça, monde qui tient des systèmes dans les présidents, Jovenel. Donc, n'a pas continué les mobilisations, n'a pas chita entre nous, comme d'habitude, réviser quand même stratégie nous. Et ensemble, on connaît exactement comment on a amplifié la bataille-là. Mais la mobilisation est de mise, la mobilisation, c'est ça qui a continué. Bon, donc, je crois que semaine passée, avec la visite, avec les rencontres, c'est normal, après deux mois et plus, il y a des battements, parce que la bataille est en dents de scie, donc on a continué. Fait bataille là pour Jovenel lui-même les bail pays là, parce que quelque part, bah croyez que on saute pas l'état là de l'insécurité, nous saute analyser l'île, nous voit ça qui a passé, un président qui va gouverner, un gouvernement lui-même, un premier ministre qui pas gagné pour le faire la tête de l'État, parce que bon, il n'est pas ni provisoire, ni par intérim, nous pas qu'on est normalement côté du même pouvoir, parce qu'il est un bon vote de censure. Donc, la bataille qui continue. Nous pas gagné l'autre âme que. C'est la population, c'est la mobilisation et c'est un affaire. Jusqu'à présent, sénateur, ça qui avec chaque monde qui a agenda, yo, bon, au fait, j'ai un mouvement d'Abraléa, et t'es grand peu le monde qui était anti-casse, c'est inquiet pour voir tout bon côté par l'autre, très paniqué. Mais ces derniers temps, où vous sentez qu'il a commencé à prendre confiance timidement, et qui ça qui explique ça d'après vous? Mais écoutez, la bataille est permanente. Dans une bataille au niveau stratégie, au niveau tactique, on va qu'à bataille pour penser que l'adversaire là lui-même lui campait. Nous sommes en période de fête, bon, population d'une certaine façon, besoin ravitailler. Donc la bravitaille, mais elle est normalement pour reprendre mobilisation en force là. Donc c'est exactement ce travail que nous-mêmes avons fait. Donc c'est pas une bataille. Je veux dire qu'on est des membres du résultat, parce que pour changer, c'est pas seulement voyons président aller, mais c'est changer un système qui pourrit, c'est une bataille contre la corruption. Donc, on s'est de les tenants du pouvoir, donc, nous, cap sous ces pays, qui vient tout avantage pays, depuis 217 ans, donc il est normal qu'il a résisté. Mais en ça qui est clair, c'est que nous faisons constat et pas en pile. C'est que quel que soit ce secteur là, que ce soit secteur l'église, secteur je dirais économique, politique, de la jeunesse, tout le monde en général, les femmes, parce que si vous voulez prendre liste là pour qu'on ait tout désaccord avec Jovenel, on capable à compter tout le monde qui désaccord, mais je dis on est capable de dire sur le plan international. L'international clair, les deux, c'est pas eux-mêmes, c'est les États-Unis. Donc, au niveau des secteurs et des entités de ce pays, tout le monde clair, ou un petit groupe jusqu'à présent, nous identifiés, ou maintenant, ces batailles n'ont pas continué, batailles contre nous, qu'on a renversé avec Jovenel, parce que quelque part, c'est pas seulement l'international, il y a un petit groupe sur le plan économique, nous comprenons, il y a une série de monde, de nouveaux macoutes qui a essayé de supporter Jovenel, mais quand même, nous connaissons que défaite, mobilisation, ça souffle ça à la pointe pour nous organiser, les gens pour nous organiser, ne fait que provisoire. Donc la mobilisation continue, peut-être au niveau Port-au-Prince, où quelques machines à passer, mais c'est une bataille qui est vraiment permanente, les mandants pile souffle, les mandants pile sacrifice. Et c'est ça que nous-mêmes, en tant que dirigeants, que n'a demandé, n'a rencontré, n'a discuté, et c'est dans ce cadre qui fait que nous sommes sortis avec l'accord de Mariotte, et je dis à nous sortis à faire de route là, que je dis à me penser que tout le monde est clair, et on est que Jovenel a
aller aujourd'hui, demain matin, ou aller dans la cour de cassation, je vais aller prendre le président, je vais aller demain, avec le gouvernement, nous connaissons que nous allons prendre dans la politique là, et en même temps, nous allons prendre organe de contrôle, qui lui-même, qui va le remplacer par le banc, avec une feuille de route claire sur la question, sécurité, sur une question économique, sociale, politique, et en même temps pour nous arriver à cette conférence nationale qui pourra réformater l'État, qui pourra battre l'autre État pour nous craser système-là, pour nous rentrer dans une nouvelle constitution, pour nous consacrer lui, et de là, pour nous rentrer dans l'élection, et avoir un opérateur qui lui-même, mon nouveau président, qui pourra sortir dans l'élection, après qu'au fil réformater le système-là avec la nouvelle constitution. Donc c'est ça que nous clair, c'est pour la première fois qu'on a pays ça, nous dit nous, mais ça nous parlait, mais ça nous voulait, mais comment nous allons faire, nous mettons tout acteur, et là, avec une feuille de route qui claire, il y a tout le monde d'accord que le système ça, nous pas carré d'avel, mais nous connaissons que le bouchon, c'est Jovenel. Donc c'est lui-même, nous veut éclater avec toute composante libre pour nous rentrer et commencer à changement que n'a parlé à et accord de Mario tant que nous joignons pour nous mettre dans l'application. Mais leur parler changement de système. Donc c'est pas une chose facile, mais qu'il y a la vie dure, donc c'est amplifier pour amplifier bataille là. C'est la mobilisation qu'il faut amplifier avec un peu une stratégie, un peu une tactique, et ce que nous-mêmes n'avons fait avec toute base nous, tout pays, hein, tous les départements, et quel que soit côté nous n'a bataille là, pour ensemble, on compte comment on a chaviré président Sahara qui empêchait peuple haïtien de jouer de sécurité, qui empêchait que au vivre, il y avait un travail que le pays a développé. Et ça, ce qu'on a fait, c'est la corruption totale capitale avec le rapport de la Cour des comptes, nous voyons que c'est pour la première fois au président, tout le monde comprend, il a volé comme ça, et puis encore, l'île a la gouverne, ça la gouverne ou pas qu'on est, mais l'île a soutenu notre pays. Sénateur Sorel, pour question de débat président de la République, là, nous mobiliser en pile mouvement fait en la pays, dernier mouvement, c'est mouvement local, là. Est-ce que d'après vous, c'est manque de mobilisation qui explique que le président encore là, ou bien des débats pour nous faire, qui n'ont pas fait, qui rendent jusqu'à présent le président encore au pouvoir? Qui ça qui explique le retard? Je suis capable de dire que c'est un retard. C'est un retard. On bagaille peut-être pour nous fait, nous pas fait. Mais quelque part, tout secteur est avec nous, tout le monde en général a mobilisé. Et tout le monde en général, tout le secteur en général, demandé des ports de Jovenel. Mais l'essentiel, c'est ça, n'a pas fait la jodie. Ça qui va, ça qui va beaucoup joindre, mais ça qui va joindre. Exactement, ça qui va beaucoup joindre. C'est que, sur le plan de mobilisation, peut-être, de 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est peut-être, 6 millions de population, hein, c'est tout Port-au-Prince qui pour lever, ce pays-là qui pour bloquer complètement, parce que, bah ouais, qui ça pour nous faire encore non, mais quand même dans une bataille, si vous êtes capable de gagner comme son bagaille, son passé même pour faire en plus, son bagaille qui pas fin marché, donc c'est comment on va travailler pour le marché, j'ai pour le marché. Mais comme je vous dis, la bataille est permanente, donc la mobilisation continue. Pour ça, les mêmes, parce que nous tous reconnaissons, c'est pas le président volontairement chrétien, mais c'est pas le fait de gagner question communauté internationale. Là, on a parlé d'ambassade américaine qui est le président Jovenel Moïse au pouvoir. Là, qu'on a besoin de garder, est-ce que nous croyons que c'est assez mobilisation parfaite ou bien c'est pas le fait d'ambassade de la parler, et puis qu'on a, nous croyons que, et c'est continuer pour nous continuer à mobiliser pour capable aboutir avec des missions, alors que quelque part, ou gagner blanc qui peut couvrir ou même. Bon, il y a tout ça, mais l'essentiel n'a fait bataille là sur le plan, tant sur le plan national que sur le plan diplomatique. Et c'est ça que fait qu'aujourd'hui, à nous clair, après constat, après tout ça nous fait, nous voyons que l'international à travers les États-Unis, l'ambassade des États-Unis ou les États-Unis en général, nous voyons qu'il y a soutenu le gouvernement. Bon, il y a soutenu le, parce que bon, il y a volé même rien avec lui, il y a fait les bagailles en d'un pays, a peut-être, parce que je ne crois pas que le peuple américain qui sont
quel que soit gens capable de critiquer, l'État connaît que le président a volé, donc, ouais, je dis à qui problème le chop a gagné à travers tout ça l'affaire, ou ouais, un impeachment, il a besoin de vous aller, vous voyez, le Sénat retirer le pouvoir. Donc, mais l'essentiel, il y a encore là, travail à faire, processus à continuer, il a fait travail là, parce que analyse, enquête à faire dans le Parlement à travers les représentants. Donc nous-mêmes, c'est ça qu'on a fait dans le pays, donc nous on a fait bataille là sur le plan international et en même temps national, mais la grande bataille, c'est la bataille nationale que n'a pas amplifié, n'a pas chita, n'a pas parlé, n'a pas discuté, pour nous exactement qui ça, pour nous pas fait que nous devons faire. Radio Omega. Hier, nous baille une conférence de presse, il est vrai que maintenant, même dans la planification, hein. Donc, pour nous continuer à visiter, à marcher, à discuter avec tout le secteur. Donc, ça, c'est la mobilisation qui continue, c'est le dialogue qui continue avec toute l'opposition, tous les secteurs, toute la population, tous les quartiers, toutes les communes, tous les départements. Mmh. Est-ce que ça arrive, sénateur Gondé, l'un de tête, non? Comme je vous dis, la bataille est permanente. Mbakwe, après toute expérience, hein, on est capable d'être tout le monde élève. Mais l'essentiel, la bataille continue, la mobilisation continue, le dialogue continue. Notre accord sur le plan politique est clair, notre entente est là. Je venais là les jeudis, donc nous allons le chercher du matin au soir. Nous allons entendre déjà sur le plan national et sur le plan de tous les secteurs et surtout dans l'opposition plurielle, que comment pour Jovenel aller, qui est-ce qu'a remplacé, qui ça va le faire. Donc tout est là, tout est clair, tout est prêt. Mais c'est le bouchon que nous sommes capables de renverser, parce que c'est lui-même d'abord qui pour aller et puis pour nous commencer à faire ça notre faire pour changer ce système. Donc tout est en place, mais l'essentiel, comme on dit, qui ça nous fait, qui ça nous pas fait, notre travail pour ça pas arriver, tant sur le plan national que sur le plan international. Ok. Bon, je vais garder là avec vous, et comment vous prévoyez la bataille, hein? Parce que quand même, arrivé janvier, parce que traditionnellement, on met ordinairement sénateur sur elle, dans le cadre qu'on va faire dans le pays, on a toujours constaté, lorsque vous venez en fin novembre et décembre, pour toujours qu'on a remarqué qu'on baisse ou bien gagner, Sanda Capabrilé, vitesse mouvement toujours baissé, ou maintenant sont toujours baissé par rapport avec un géant, ça a fait pour tout l'autre noyau. Je veux dire quand même, constat, c'est que Jean qui fait le tour en plus l'autre monde, contrairement avec un géant, ça a été avant une grande diminution, et dans quatre batailles qu'a mené, hein. Pour arriver janvier 2020, ça connaît un sénateur Sorel, il n'est pas le sénateur de la République encore. Pour aller des monde qui a bataille tout, qui n'est pas le sénateur de la République, qui pourra le citoyen même avec tout le monde. Est-ce qu'on prévoit janvier 2021, nous prenons plus de force pour nous capables de mobiliser, ou bien nous mettons dans la tête nous prenons beaucoup plus fort par rapport avec la bataille qui n'a pas mené. Comment nous faisons projection là dans cette bataille là? Bon, c'est mon constat qu'on même fait. Si on prend même Salomon, c'est pour la première fois de 86 à Jodia, qu'on bataille qu'a fait pour nous voir l'aide des régions pour aller. Bon, bataille qu'a fait de gagner assez de monde, de secteurs qui exprimaient en clair que ils ont parlé Jovenel sont corrupteurs, Jovenel pas qu'à gouverner pays, Jovenel sont menteurs. C'est pour la première fois ça fait. Mais il y a une chose, c'est pour la première fois on parlait de changement de système. C'est pour la première fois on a dit mais ça qu'on voulait, mais ça qu'on parlait. On parlait gouvernement ça, on parlait façon à gouverner, on voulait changer de paradigme. C'est pour la première fois. Donc, il est normal, et nous pas de connaître que bataille la table facile. Donc, c'est pas aujourd'hui, hein, nous, hein, les premiers gros mouvements qui étaient dans la rue, c'est après, c'est juillet. Donc, ça fait un an et plus. Donc, nous pas de jamais penser que les tables bataille. Mais bon, écoute, deuxième lundi du mois de janvier, Sorel n'est pas sénateur, mais Sorel a continué, fait bataille à Sorel a continué dans la rue, hein. Donc, nous disons, sous Duvalier, si, il était presque même gens avec nous en 63, 64, l'El Tap essayait de mettre dictature, la structurer dictature, là, si nous analysons, c'était bien tout secteur, ça,
d'ailleurs qui mettait beaucoup plus. Jodia nous pas capable, nous pas prêter dans la bataille ça encore. Donc nous croyons que Jodia ça seulement nous capable dit population faut le connaître pour qui ça que li là pour qui ça le mobiliser, c'est pour changer la ville, c'est pour changer pays, c'est pour changer paradigme, c'est pour nous pas en crasse encore, nous pas on paria au niveau international. Donc c'est ça n'a fait là, c'est pour changer l'école, c'est pour changer et ministère, c'est pour changer le parlement, c'est pour changer le mode de vie nous. Donc c'est bataille ça n'a fait. Donc c'est pour chaque monde connaît que bataille la longue. Donc faut mettre beaucoup plus l'école que vous avez tout le monde a parlé sous lien. Donc l'école ça faut changer lui parce que donc on l'école c'est moi-même qui n'a classe moyenne dans l'école pour moi ou même qui n'a classe puis pour l'on l'école ou même qui n'a bourgeoisie bon l'école que personne yo même yo pas fait confiance à système éducation que nous gagnons. Donc c'est pour toute ça la bataille pour faire changement ça pour être capable même Jean-Saint-Domingue était arrivé en 90-92 démarrer pays là. C'est ça, n'a pas cherché là. Donc, mais tout le monde prend confiance. C'est ça, nous va le faire là, pour nous joindre à quoi, Mariotte, que n'a pas cherché là. C'est feuille d'eau, n'a pas mettre là. C'est pour nous-mêmes, c'est pour moi-même, c'est pour nous toutes. Parce que nous pas fiers pour nous dire que nous c'est haïtiens. C'est cette fierté, cette appartenance haïtienne que n'a pas cherché. C'est cette bataille, c'est pour ça, la fête. Donc, comprendre, les journées finales. Donc, qu'on voulait qu'on parlait, la vie a bralon l'autre gens, gouvernance n'a bralon l'autre gens, politique n'a bralon l'autre gens, pays a bralon l'autre gens. Donc, nous obligés de rappeler, c'est vrai, ça va demander un peu de sacrifice, parce que, pour faire omelette, faut casser les yeux. Donc, c'est exactement sacrifice ça que nous demandons, nous toutes, en nous mettant ensemble, en nous garder qui ça pas fait pour nous faire beaucoup plus, pour Jovenel lui-même en tant que bouchon, que l'y aller pour s'en demander pour nous commencer à faire. Ça ne parle pas pour l'aller, ça n'a pas demandé à nous commencer à faire. Et bien à faire là, c'est pas pour moi la pression politicien, mettons politicien, pour moi, mettons pour moi. Non, on a parlé de changement de système. Et changement de système, ça, automatiquement, Jovenel aller, quel que soit le monde qui mettait en face, il y a le même Jean Jovenel. Que moi-même, que lui, que l'André Michel, que le Nenel, quel que soit le monde, que nous-mêmes. Donc, c'est ce changement, parce que c'est pour la première fois pour nous dire que le peuple haïtien dit assez, nous pas capable encore, faut payer, faut nous prendre en main, Donc, nous comprendre que ce système à la vie dure, l'international, bon, les intérêts, c'est là, le sentiment, les proconsuls, donc la bataille, mais l'essentiel, nous reconnaître ce qu'on est. Il a eu le sénateur, dernière question, nous capables de faire une interview à matin, hein. Gagné à tous d'après, et nous connaissons une délégation et américaine qui était là-dedans, Madame Graff, qui s'est représentante Donald Trump, qui était dans le pays très récemment. Il y a une nouvelle délégation qui prévoit entrer dans le pays, hein, qui a gagné la tête, sous secrétaire d'État américain, et dans la question politique, là, on a parlé de David Harry. Et qui ça, sénateur Sorel, a pu espérer des nouvelles visites délégation américaine, ça, capable d'entrer dans le pays, très bientôt, c'est dans le commencement, moi, ça, là, on a parlé du mois de décembre. Qui attend tout, mais qui soit espéré? Bon, moi, tous les temps, c'est nous-mêmes. C'est la mobilisation. C'est l'entente entre nous que nous jouons. C'est le dialogue entre l'opposition, tout acteur de l'opposition. Mais ça qui est sûr, et c'est nous-mêmes qui pouvons joindre délivrance nous. Mais ça qui est sûr, c'est que Mme Craft était venue, nous avons pas de mauvaises informations, elle joint toute information, et c'est ça qui fait que je vous dis, nous sommes capables de dire la lutte haïtienne est connue. Elle est connue au niveau du gouvernement américain, le peuple américain dit qu'on est en affaire, le gouvernement, le président Trump dit qu'on est exactement qui problème qui est en Haïti, parce que Mme Craft est comprenne, ça a été balle, Madame Sisson. Donc, les venus, ils démasquaient, ils nous démasquaient. Donc, l'essentiel, c'est que, la lutte haïtienne est connue de partout. La lutte haïtienne, ils connaissent exactement qui problème qu'il a donné. Donc, nous, on va le temps rien, mais l'essentiel, n'a pas mobilisé, n'a pas dialogué avec, que ce soit sur le plan national et international. Donc, pour nous, c'est un scénario qui est bouchon.
Donc c'est ça notre fait là. Donc c'est pas que nous attendons que mon papa américain a venu à délivrer, mais cette commission a venu libérer. Non, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est la mobilisation, c'est la stratégie, c'est tactique pour nous mettre, et puis la grande mobilisation pour en fait elle venir pour lui. Et vérité que le connaît pour nous elle beaucoup plus, pour tout pour comprendre, pour tout élément dans l'établissement américain, le gouvernement américain, pour le représentant, pour le connaître exactement ça fait et qui travaille madame Sisson a fait, la corruption qu'il y a avec Jovenel. Donc nous pensons que c'est cette amplification que nous sommes capables d'avoir plus d'informations et nous-mêmes nous travaillons pour nous voir Jovenel aller. Mais la solution est d'abord nationale. C'est la même ligne, c'est la même peuple haïtien. D'accord. Merci beaucoup, sénateur Sorel Jacinthe. Les fêtes un matin, t'es mettre disponible pour t'es capable de répondre à une question non sur Radio Méga dans la rubrique Parole équilibre journal Méga Matin. Merci encore, bonne semaine et à la prochaine. Bonne semaine et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà.